Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égal à 1. Ensuite, on démontre que si la formule est vraie pour n est égal à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi? Parce que on a démontré que la formule est vraie pour n égale 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale 2. Donc, elle est vraie pour n est égal à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant 4. Donc, elle est vraie pour 4, donc pour 5 et aussi pour 6 et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre si un domino quelconque de numéro K tombe, alors le domino suivant de numéro k plus 1 doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent, puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour démontrer cette formule-là. Formule que nous écrivons un petit peu autrement. Si j est égal à 1, le premier terme de la somme, c'est 4 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 3. Ensuite, j devient 2. Le terme correspondant de la somme s'écrit donc 4 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 7, etc., jusqu'à la dernière valeur de J, c'est-à-dire N, et le terme s'écrit alors 4 fois N moins 1, comme ceci. Donc voilà une autre façon d'écrire cette formule. Nous allons démontrer cette formule par récurrence. Donc d'abord, nous regardons pour N est égal à 1. Si N vaut 1, nous n'avons que le premier terme de la somme, c'est-à-dire 3, ce terme-là. Et à droite du signe d'égalité, nous avons 2 fois 1 au carré plus 1, comme ceci. Cette égalité est vraie si et seulement si 3 est égal à 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc cette égalité est vraie si et seulement si 3 est égal à 3, ce qui est évidemment OK. Ensuite, nous supposons la formule vraie pour n égale k, donc nous écrivons cette formule-là en remplaçant n là, là et là par k. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Et à partir de cette hypothèse, nous allons démontrer que la formule est également vraie pour n est égal à k plus 1. Donc, nous allons démontrer que cette somme-là, jusqu'à ce terme, contenant le nombre k plus 1 est égal à 2 fois ce nombre k plus 1 au carré plus ce nombre k plus 1. Et pour démontrer cela, nous considérons d'abord les k premiers termes de la somme, somme qui est alors égale à 2k carré plus k, vu notre hypothèse de récurrence. Donc, la somme de là jusqu'à là peut être remplacé par 2k au carré plus k, et pour ce dernier terme, nous distribuons le 4, ce qui donne alors 4k, voilà, plus 4 fois 1, c'est-à-dire 4, moins 1. Le 4 moins 1, ça donne 3, et ce 3, nous l'écrivons sous la forme 2 plus 1. Le 4k, on l'a mis là, le k, on l'a mis là, et ce 3 a été décomposé en 2 plus 1. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que dans les trois premiers termes, nous pouvons mettre un 2 en évidence.
entre parenthèses, il reste k au carré plus 2k plus 1, et ce trinôme, c'est exactement k plus 1 au carré. Et par conséquent, cette formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel n.